Si ça se trouve, t'écoutes ma petite vidéo en rentrant du taf le soir. Si ça se trouve, t'es carrément fatigué, t'es au volant de ta petite voiture, tranquille, tu rentres. Sauf que c'est à ce moment-là que tu t'endors. Juste une microseconde. Rien de fou, hein, juste un micro-sommeil. Sauf que ça a suffi pour que tu viennes percuter la petite Peugeot qui venait en face et t'es en train de sortir de la route. Ouais, c'est tendu. Sauf que, heureusement, toi, ça va. T'as rien, tout va bien. T'as juste la voiture qui est pétée. C'est juste de la tôle, on s'en fout. Mais c'est pas la même chose pour la petite mamie qui était en train de conduire sa petite Peugeot grise. Elle, elle a mal. Elle est en train de hurler, elle se vide de son sang, il lui reste que 3 minutes devant elle. Sauf que le problème, c'est que t'es sur une petite route de campagne. T'es isolé, t'es tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Là maintenant, qu'est-ce que tu fais? Salut à tous, c'est Tacline, la ligne tactique, et aujourd'hui, dans cette petite vidéo intervalle, on va parler Traumaquête. Du coup, c'était quoi la bonne réponse par rapport à cette mise en situation du début de vidéo? Et bah, c'est d'utiliser un Traumaquet. Et en particulier, aujourd'hui, on va parler du Traumaquet TKC. Ce Traumaquet, il a été fait en partenariat avec Eric de chez Med Hybride. Eric, c'est un infirmier qui travaille au SMUR. Ouais, ça envoie du lourd. On n'a pas le temps de rigoler ici, surtout quand il s'agit de sauver une vie. Mais avant de sortir ton super Traumaquet de ton sac, il faut d'abord que tu ailles te former. Si tu devais choisir entre acheter un Traumaquet ou passer une formation auprès de professionnels, eh bien, choisis la formation. Pense que les connaissances et les compétences viennent toujours avant le matériel. En parlant matériel, qu'est-ce qu'on retrouve dans un Traumaquet? Et qu'est-ce que c'est qu'un Traumaquet? On va déjà le définir. C'est un ensemble d'outils spécifiques, compacts et légers qui respectent le principe de simplicité. Le Traumaquet au niveau du citoyen primo-intervenant a pour but de maintenir la victime en vie le temps que les services de secours interviennent, comme les pompiers, le SAMU ou Superman. Alors, le premier outil du Traumaquet, ça va être le pansement compressif. Le pansement compressif, il est très utile pour tout ce qui va être les hémorragies veineuses. Ça veut dire un sang qui va être sombre et qui va s'écouler. C'est aussi un outil qui sera pratique pour tout ce qui va être emballer une plaie, tout ce qui va être gérer également des saignements qui ne sont pas hémorragiques. Ici, on est sur le mini de chez H&H. Pourquoi est-ce qu'on a choisi celui-là? Tout simplement parce que, regarde cette taille, extra plat, incroyable. Il est sous vide, on retrouve des petites encoches et hop, on peut très facilement l'ouvrir. Il n'y a pas besoin de sortir le couteau et de se planter sauvagement parce qu'on est en stress. Voilà, il est ouvert, qu'est-ce qu'on a? Ça a cette forme, ok? Et voilà, tu as un compressif super simple à utiliser, super simple à poser. La seule particularité, c'est que contrairement aux Israéliens, donc les pansements compressifs israéliens, tu vas pas avoir forcément le système pour verrouiller plus facilement. Mais là, on est sur quelque chose de compact. Hop. Donc, t'as ta partie compresse ici. Tu le poses. Ici, tu as du scratch. Donc ça, c'est assez intéressant sur les H&H. On va retrouver du scratch ici. Donc, blessure, admettons qu'elle est ici. Normalement, j'aurais découpé et tout pour vérifier. Donc hop, je pose. Tac. Hop. Et voilà. Tu vois que c'est assez rapide à mettre en place. Hop. Et là, je le découvre presque en même temps que toi. Voilà. Super compact et qui va permettre d'emballer une plaie, qui va permettre de gérer pas mal de choses. Même si c'est pas une hémorragie, c'est pas grave. Tu vas pouvoir travailler alors en self-application, par exemple sur le poignet, c'est largement faisable. Tu vois, si tu t'es coupé ici, Hop. Même si tu le fais vraiment à l'arrache comme ça, ça passe. C'est ça qui est bien avec ce système, c'est que tu peux le faire absolument comme tu veux. Ensuite, toujours chez H&H, on va retrouver ça. Qu'est-ce que c'est? C'est de la bande de gaz compressée. Donc pareil, ça ne pèse rien, ça ne prend pas de place. Et ça, ça va permettre d'agir en soutien avec le système de compressif. Hop, c'est ça qui est bien. On n'a toujours pas besoin du couteau. Donc ça veut dire que tout est fait à la main. Hop, on ouvre, on sort la gaz. Voilà. Et là, en fait, elle est complètement compressée. Donc ça veut dire que tu peux simplement tirer dessus. Et c'est de la gaz classique, en fait. C'est ça qui est bien. Hop. Voilà. Là, tu as de la gaz. Et ça veut dire que si tu as une blessure, bah, tu peux faire du packing avec. Tu peux rentrer, en fait, dans ta blessure ce que tu veux par rapport à ça. Et pareil, ça va être génial pour... Même si tu es obligé de faire un compressif avec autre chose et tout, tu peux faire un compressif à la main comme ça aussi, ça marche très bien. Tu peux emballer une plaie aussi facilement avec. C'est super versatile, ça ne pèse rien, c'est tout petit. C'est compressé là-dedans et tu as de quoi faire. C'est vraiment sympa. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dans un trauma kit? Donc là, on a vu quand même deux outils. On va retrouver l'outil principal. Ça va être le garrot tourniquet. Alors le garrot tourniquet, lui, il est là pour venir en soutien des autres outils. Ça veut dire que si ton compressif n'a pas fonctionné, si ta gaz n'a pas fonctionné, eh bien tu peux utiliser ton garrot. Ce garrot là, il va être aussi utilisé notamment sur tout ce qui va être hémorragie artérielle. Donc ça veut dire que ça va être une hémorragie avec du sang qui pulse et de couleur rouge vif, contrairement à l'hémorragie veineuse. Ici, on a choisi de travailler sur le garrot SICH. SICH ou pas SICH. Le garrot SICH, il est super intéressant, notamment déjà parce qu'on l'a choisi en couleur orange, parce que c'est facile à voir. Que ce soit dans le trauma kit ou que ce soit lorsque tu le poses, c'est important d'avoir quelque chose qui est très visible. Le SICH, en fait, ce qui est vachement bien avec lui, c'est que c'est un système qui est hybride entre deux autres garrots qui sont connus dans le milieu, qui sont le CAT et le Softy. En fait, ce garrot là, il est vraiment un mélange, c'est vraiment un mélange entre les deux. Déjà, l'avantage, c'est que ici, on a quelque chose qui est fait pour faciliter l'insertion. Ça veut dire que, hop, c'est très simple à passer. Donc si, par exemple, le membre est coincé sous un rocher, sous un truc, sous une voiture ou autre, et ben c'est très facile de venir, en fait, le passer dans la boucle pour venir ensuite le sécuriser. C'est très facile. Vous pouvez l'utiliser en... version comme ceci, donc qui va permettre une pause en auto-application qui est quand même assez rapide, parce que là après on a juste à serrer ici. Ou alors vous pouvez aussi, pourquoi je te vous vois d'un coup, tu peux aussi l'utiliser à la façon en passant en fait tout simplement ici, puis ici, hop. Et tu vois que tu peux aussi le serrer comme ça. Ça va être un peu plus compliqué, mais c'est faisable et c'est un peu plus sécuritaire. Ou alors la version pour la pose plus rapide, qui va être juste ici, et tu fermes. Ce qui est bien aussi avec ce garrot, c'est qu'on a ici un système qui est réfléchissant. Ce système réfléchissant, il permet de venir noter l'heure de pose, parce que quand tu vas poser un compressif, quand tu vas poser un garrot, il faut absolument noter l'heure de pose pour les services de secours. L'autre avantage de ce garrot, c'est que ici, on retrouve un système de verrouillage. Ça veut dire que tu peux venir en fait, au lieu de juste le laisser comme ça, et ça veut dire que là, si tu prends un coup, ça va s'enlever, eh bien tu peux venir le clipser. Hop. Et là, tu peux lui mettre des coups dans sa gueule. Hein, t'aimes ça? T'aimes ça, oui? Pardon. Bref, tu peux lui mettre des coups parce que du coup il va être verrouillé. Donc ça, c'est super intéressant. Hop. C'est à dire que quand tu l'as sur toi, on va refaire. Hop. Je vous êtes vraiment à l'arrache. Hop. Voilà. En fait, ici, tu vas pouvoir assez facilement, voilà, le clipser. Et là, il est sécurisé. Tu vois. Bon, ça... Voilà. Donc là, ça fonctionne très bien. Voilà. Tac. Alors, ce qui est bien, si tu connais pas le principe, c'est d'en acheter deux. Un pour t'entraîner et un pour le peser réellement. C'est ce que moi j'utilise. Ça, c'est celui qui est dans mon trauma kit. Ça, c'est mon garrot d'entraînement. Alors ouais, c'est sûr, c'est plus cher, mais c'est important de pouvoir le poser rapidement. On a vu le garrot. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le trauma kit? On va retrouver des ciseaux Gesco. Les ciseaux Gesco, super intéressant. Pourquoi Gesco? Tout simplement parce qu'en fait, on a des bouts arrondis. Donc ça veut dire qu'on va pas venir couper la victime. Parce que le mec qui arrive avec son couteau magnifique, genre le Griptilian de chez Benchmade par exemple, et bah en fait tu vas risquer de blesser la victime. Avec ça, il n'y a pas de souci. J'ai pris les 19 cm pour avoir vraiment, même pour ceux qui ont des grosses paluches et tout, c'est très facile de travailler. Ensuite, on retrouve le marqueur. Ici, on a pris un marqueur Sharpie permanent noir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est résistant, et ça, ça va te permettre de noter l'heure de pause de ton garrot, de ton compressif, de ton pansement non occlusif. Ça va te permettre de laisser un message, ça va te permettre de remplir une fiche bilan. C'est assez intéressant, et ça va te permettre aussi, en dernier recours, tu vas pouvoir l'utiliser pour faire un tourniquet de fortune. Il est assez résistant par rapport à ça. Autre point qu'on retrouve ici, un petit bâton de lumière 24h Shimlight de chez Cialume. Ça, c'est vachement pratique pour pouvoir te signaler face au secours, pour pouvoir signaler aussi une zone dangereuse. Si par exemple il y a un trou à côté, si par exemple il y a quelque chose que tu peux pas enlever, ça c'est bien pour pouvoir marquer ta victime aussi. Et c'est aussi un outil qui va être au final une source de lumière backup. C'est pour ça qu'on l'a intégré dans le trauma kit. Ça va permettre quand même de pouvoir voir ce qui se passe si jamais tu n'as pas de lampe sur toi. Ensuite, bien entendu, couverture de survie. La couverture de survie, elle va permettre de couvrir la victime. L'avantage, parce qu'une victime en fait qui se vide de son sang va forcément avoir froid. Si en plus tu viens de lui découper les vêtements, si en plus elle est sur le sol, faut la couvrir. On va retrouver un outil ici tout petit que j'ai glissé, qui est un petit sifflet avec le SOS gravé dessus. Ça, c'est bien pour pouvoir te signaler, parce que tu peux crier, c'est sûr, mais c'est plus économique en fait d'utiliser un sifflet. Ça marche bien. Voilà, tout ça, tu vas le retrouver là-dedans, dans ton trauma kit. L'autre avantage de ce trauma kit, déjà, il est livré sous vide, et tu vas retrouver cette grosse croix rouge. Ça veut dire que si tu as un mec qui a ton sac plus loin, que toi t'es blessé ou que t'es déjà occupé, tu peux toujours lui dire, mec, prends la poche en haut du sac, tout en haut, t'as la poche avec la croix rouge, tu la prends. Et le gars, il saura que c'est ça. L'autre avantage, c'est que tu peux écrire dessus, c'est du papier. Donc si tu veux faire un bilan, tu peux directement. Dans le trauma kit, on retrouve aussi une vraie fiche bilan recto verso, qui va te permettre surtout, en fait, tout simplement de savoir, de te rappeler un petit peu les étapes à faire. Dernier point, on retrouve, comme on peut le voir ici, du scotch. Le scotch, c'est du gros tape bien lourd, c'est du tape medic. Donc déjà, c'est un scotch qui est conçu pour pouvoir travailler sur la peau, et c'est un scotch qui est très résistant, qui va te permettre surtout de faire tout ce qui va être pansement trois côtés, pansement du coup canard, on l'appelle ça aussi comme ça, ou non occlusif. C'est-à-dire qu'en fait, en utilisant la partie du plastique qui est à l'intérieur, ou la partie du plastique qui protège le garrot qui est à l'intérieur, eh bien tu vas pouvoir faire en fait un pansement du coup sur les blessures qui vont être au niveau des poumons. Donc assez intéressant, parce qu'avec ça tu as vraiment de quoi travailler et de quoi faire plein de choses super sympas. Bref, j'espère que ce petit format intervalle dans lequel j'aborde un outil, un principe, un concept que je traite dans des vidéos rapides te plaît. Tu retrouveras le TKC sur undersurvival.com. Je te laisse découvrir le site et je te rappelle qu'il est truffé d'easter eggs. Souviens-toi que quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies, à commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal.